Information à la une au Burkina Faso, plusieurs assaillants neutralisés dans le nord et le Sahel. Les forces de défense et de sécurité burkinabè ont neutralisé le samedi 15 avril 2023 plusieurs assaillants dans le nord et le Sahel du pays, selon nos confrères de AIB. Les forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, conjuguant des opérations aériennes et terrestres, ont neutralisé plusieurs terroristes à Ouaïguia et Falangoutou, notamment au cours de violents combats. Ces assaillants évoluaient en plusieurs binômes sur des motos dans le Yatenga et dans le Sahel. Les forces armées ont engagé une vaste opération de reconquête du territoire national. Dans cette guerre, plusieurs assaillants ont été neutralisés et les opérations se poursuivent sur le terrain. Autre information à la une, drame à Ouaïguia, 41 personnes tombées dans une attaque contre un détachement mixte de FDS et VDP. Au moins 41 combattants sont tombés, dont 6 militaires et 35 volontaires pour la défense de la patrie, dans une attaque contre leur détachement mixte situé à 15 km au nord de la ville ce samedi 15 avril 2023 aux environs de 16h, a appris Omega Media de sources sécuritaires. L'attaque a également enregistré 29 blessés. Dans la riposte, plusieurs colonnes d'assaillants ont été pulvérisées par les vecteurs aériens de l'armée, selon une dépêche de l'agence d'information du Burkina.